Bonjour, je m'appelle Alexandre. Et aujourd'hui, j'aimerais te présenter un livre. C'est un livre que j'aime beaucoup, qui est très drôle, qui a pour titre « Tu as un oiseau sur la tête ». C'est un livre écrit par Mo Willems et c'est en version française par une traduction d'Isabelle Montagné. Ça fait partie d'une série, tu vois ici, Éléphant et Rosie. Il y a plein de livres que Mo Willems a écrits avec Éléphant et Rosie. C'est super drôle. C'est publié par les éditions scolastiques et tu peux trouver ce livre peut-être à ta bibliothèque locale ou certainement sur Internet. Est-ce que tu veux voir dans le livre? On peut commencer? OK. Alors, tu as un oiseau sur la tête. Tiens, dès qu'on ouvre le livre, on voit plein d'oiseaux. Tu as un oiseau sur la tête. Il n'y a pas de mots dans le livre? Bon, voici éléphant et Rosie, le cochon. Un petit oiseau arrive. Rosie! Ouais! Est-ce que j'ai quelque chose sur la tête? Oui! Tu as un oiseau sur la tête. Il a l'air un peu nerveux. J'ai un oiseau sur la tête? Qu'est-ce que tu penses que l'éléphant va faire maintenant? Ah! Boing, boing, boing! Ah! Est-ce que j'ai encore un oiseau sur la tête? Ah. Non! Maintenant, tu as deux oiseaux sur la tête. Je vais finir ici. Et si tu veux voir la suite, tu peux aller trouver le livre à ta bibliothèque ou bien le trouver sur Internet. Et il y en a plein. Hein. J'ai dit que Éléphant et Rosie, ça fait partie de toute une série de Éléphant et Rosie. Tu peux voir qu'il y en a plein. Il y en a plusieurs. Tout ça comme série. Ils sont tous super drôles, très amusants à lire. Toi, tu peux les lire à tes parents ou tes parents peuvent les lire avec toi. C'est vraiment très amusant. Alors, on peut se voir peut-être une autre fois pour un autre livre. À la prochaine!